Bon Maxime, après une défaite frustrante face à Grenoble, on sera à la relance du côté de Mont-de-Marsan. À quoi faut-il s'attendre dans cette rencontre? Écoutez, ça va être une rencontre très difficile, une rencontre accrochée je pense, parce que c'est vrai que Mont-de-Marsan aura à cœur de se racheter après les deux défaites, notamment au début du championnat, chez elle, où elle a pris quand même 40 points et à Colomiers la semaine dernière. Et puis de l'autre côté, nous qui avons plutôt très bien démarré face à Vannes et dans la foulée qui avons eu un petit accro face à Grenoble. Donc ça va être un match difficile, il va falloir le prendre par le bon bout et essayer de les mettre sous pression le plus longtemps possible. C'est qu'en parlant de pression, Mont-de-Marsan aura cette pression parce qu'ils ont été défaits deux fois d'affilée. C'est quelque chose qui pourra vous être utile sur cette rencontre, cette pression. Écoutez, on l'espère, maintenant c'est à nous de leur mettre aussi la pression, de rester au contact le plus longtemps possible, de rester solide sur nos bases, en conquête et puis en défense. Et puis voilà, après il faudra espérer que tout le monde sera concerné, qu'on puisse aller chercher quelque chose de ce déplacement. Ouais. Pour faire un résultat du côté de Mont-de-Marsan, de toute façon, il faudra être présent dans l'agressivité et ne jamais rien lâcher de façon à les faire douter. C'est clair, puisque de toute façon, voilà, eux auront aussi à cœur de se racheter face à leur public. C'est jamais évident de perdre à la maison, de perdre un deuxième match dans la foulée. Donc forcément, c'est sûr que dans l'envie et dans l'agressivité, ils seront présents. À nous d'y répondre et d'être le plus agressif possible pour se mettre dans de bonnes conditions pour pouvoir aller chercher quelque chose. Merci Maxime et bon déplacement. Merci à vous.